Hélène a retrouvé ses amis et reprend petit à petit sa place parmi eux. Mais Jeanne est perturbée par son arrivée. Elle confie ses doutes à Nicolas et sa peur de le perdre. Nicolas la rassure. C'est elle qui l'aime maintenant. Mathieu est conduit par Ève, qui a trouvé en Jimmy un nouvel objet d'amour, tente de se suicider. Il est sauvé in extremis par Johanna. Lali, qui s'est fait renverser par une voiture, a dû retourner en métropole, finir sa grossesse sous surveillance. Stéphane l'a accompagnée. La vie reprend son cours sur Love Island. Tu viens juste de rater l'allée, j'ai raccroché il y a 5 minutes. Elle va bien, elle demande de vous embrasser tous. Super, et le bébé? Apparemment, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'elle reste allongée pour le reste de sa grossesse. La pauvre, elle va devenir folle. Ouais. Je pense que c'est surtout les infirmières qui vont devenir folles. J'avais pas pensé à ça. Il faut s'arracher les cheveux. Bah, l'essentiel, c'est que le bébé se porte bien. Elle a peut-être raison, Lali, de faire un enfant toute seule. Non, moi, je pourrais pas. Tu sais, je me suis toujours dit, j'aurais une vraie famille ou rien du tout. Le problème, c'est que moi, je suis comme toi. On n'aura peut-être jamais le bébé, tous les deux. Ouais, c'est vrai. Bon. Arrête, je plaisantais. Je plaisantais. Tu vas voir, retrouver tous les deux un beau prince charmant qui va nous amener à travers les plaines de Texas dans son joli limousine blanc. Alors, on sera très très heureuse, on aura beaucoup beaucoup d'enfants. Arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, je crois que j'ai été trop heureuse. Que je suis en train de payer toutes ces années de bonheur. Mais Anne, ça t'intéresse pas de dire des choses comme ça? Mais j'ai changé. Allez, fais-moi un plaisir. Tu vas rechanger. Allez, il faut sortir toutes ces idées noires de la tête. Il faut sourire à la vie. Sinon, je vais te raconter toutes mes histoires drôles de Texas que tu détestes. Ok, ok. T'as gagné. Bonjour, ma chérie. Salut. Je viens d'avoir l'hôpital. Mathieu va mieux. Je sais, j'ai appelé tout à l'heure. Pourquoi tu nous fais cette petite mine? Parce que j'ai l'impression d'être un monstre. C'est à cause de moi si Mathieu a voulu se tuer. Non, arrête. Il s'est fait un petit coup de déprime, c'est tout. Je sais ce que je dis. Je l'ai poussé à bout. C'est comme pour papa et maman. Il a failli se tuer à cause de moi. Ève, arrête. J'ai que du mal autour de moi, Peter. Regarde ce pauvre Mathieu. En même temps, j'avais pas le droit de le faire souffrir comme ça. Moi aussi, je t'aime. Mais je supporte pas de voir ma petite sœur se mettre dans des états pareils. Ce n'est pas de ta faute. Compris? Tu penses pas que je suis un monstre? Non, t'es pas un monstre. Faut que tu grandisses un petit peu, c'est tout. Heureusement que je t'ai, tu sais. Moi aussi, heureusement que je t'ai. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller voir Mathieu. Ça lui ferait plaisir. T'as raison. Je vais m'habiller et je vais... Thank you.
tout à l'heure. À tout à l'heure. Nico, tes clés. Il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Stéphane. T'inquiète pas, pour l'instant ça va. J'ouvre pas la galerie avant 10h30. C'est bien fait faire la mise en place, non? Ouais, mais c'est pas un travail des femmes. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi déjà pour toi un travail de femme? La cuisine, le ménage, le repassage, c'est ça? T'es un macho, toi, hein? Je suis pas un macho. Mais c'est vrai, porter les jets, c'est un truc de mec. Bon, ça devrait aller comme ça. Qu'est-ce que t'as, toi, ce matin? T'es de mauvaise humeur ou quoi? Non, rien, je pense à Mathieu. Bah oui, je sais, c'est triste, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je me sens responsable. De quoi? Tu sais, il est venu me parler juste avant sa tentative de suicide. C'est un client, on avait sympathisé. Il m'a raconté son histoire avec Eve Watson. Je crois que j'ai été trop dur. Mais j'ai peur que ce soit moi qui l'ai fait craquer, c'est ça. Non, mais ça va pas. La seule responsable de sa tentative de suicide, c'est Eve Watson. T'as rien à voir dans cette histoire, toi. C'est vrai, maman. T'es trop sensible, c'est tout. Passe le voir à l'hôpital, ça lui fera plaisir. Oui, j'y pensais, mais... Eh ben, fais-le, alors. Allez, vas-y, je garde le watersport en t'attendant. D'accord. Moi, je vais faire vite. Merci. Chercher avant le déjeuner, comme ça je t'aide à charger tout dans la voiture. Oh, c'est gentil. Moi, tout à l'heure. Bon, sinon, tu pourrais peut-être voir si Nicolas est là. Il pourrait t'aider comme ça. Oh, je peux le déranger. Oh, arrête, il serait ravi. D'accord, à plus. Allez, bon courage. Merci. Je passe te prendre dans une heure. T'es sûr que ça t'ennuie pas? Non, non. Je serais bienvenue avec toi, mais je suis sûr qu'il préférera te voir toute seule. Et on va se prendre ma part. D'accord. Eve, tu es ravissante. Merci. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens de prendre le mail de Mathieu, mais... C'est pas grave, je repasserai. Je te fais pas fuir, j'espère? Ah non, pas du tout. Je te laisse voir tranquillement. Bon, bah... On passe-le pour moi et... Enfin, je veux dire... Non, c'est bon, j'ai compris. Je lui dirai que t'as demandé de ses nouvelles. Ouais, merci. Tu peux m'attendre, j'ai besoin de te parler. C'est-à-dire, Eve, il faut que je... 5 minutes. OK. OK. OK, so, this one is exactly what you need, but you can see it now. Come back tomorrow morning. I'd be very happy to offer you a coffee on the boat. Good idea, thank you. OK. So, see you tomorrow? Tomorrow. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur.
Bye bye. Excuse-moi, je te fais attendre. Bah, tu plaisantes. C'est gentil de passer me voir. Je t'ai vu faire avec le client. Tu mènes bien ta barque. C'est ce qu'on peut, on se débrouille. Plutôt bien. Toujours sans sucre. Toujours. T'as changé. Lévi ? Non. Mûri. T'as l'air beaucoup plus sérieux qu'avant. Parce que je travaille. Tu joues toujours la guitare ? Non, pas tellement. Enfin, si, de temps en temps, pour le fun. Mais en tout cas, t'as l'air heureuse, ça fait plaisir. Et toi ? Ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais que tu me donnes un coup de main pour décharger toutes les provisions que j'ai sur mon bateau. Pas de problème, je passe un petit coup de fil et je suis à toi. Comme la sardine est à l'huile, bien sûr. Toujours tes vieux jeux de mots. Comme quoi, j'ai pas tellement mûri. Bonjour, Jeanne. Bonjour, monsieur Watson. Peter. Peter. Votre fiancé va bien ? Oui, 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 très bien. Eh ben, Nicolas va très bien aussi, merci. C'est drôle, j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais pas par quoi commencer. On n'a qu'à parler du temps. Il fait chaud aujourd'hui. Ça, c'est plutôt fréquent sous les tropiques. Peter, c'est peut-être pas la peine de faire tant d'efforts. Peut-être qu'ils n'ont pas tant de choses que ça à lui dire. On pourrait parler d'amour. Ok, si vous voulez. Je suis très amoureuse de Nicolas. Il a de la chance. Mais j'en ai aussi. Très bien, je vais donc me contenter de vous regarder. Eh ben, comme vous voulez. Ben, je vous laisse, j'ai du travail. Mmh. Bon travail. Merci. Plus jamais recommencer. Tu tiens un peu à moi. Oh, idiot. Tu t'en es pas aperçu? Tu m'as fait de la peine, tu sais. Je te demande pardon. T'es à moi, n'oublie pas. Tu m'as donné ton âme. Tu t'en souviens? Ouais. Tu sais, Mathieu, j'ai réfléchi et c'est vrai que j'ai pas été gentille avec toi. Mais les choses vont changer. Je veux plus te faire souffrir. Ça veut dire que tu m'aimes un peu ? Tu m'appartiens. N'oublie jamais. Je te le promets. Bon, je vais essayer de te faire sortir d'ici. Tu seras bien mieux à la maison. D'accord ? D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Alors ? Il va bien. Tu viens ? Mais où ? Viens. Non, Eve. Mais viens !
T'as beaucoup de choses à apprendre ? Pas mal. Tu sais, hein, j'avais l'intention de retraverser l'océan. Et pourquoi ? Je sais pas. Je me suis dit que vous aviez tous votre vie ici, et puis en fait, j'avais peur de vous déranger. T'as changé d'avis, j'espère. Ce que je cherche, c'est là. Inspecteur Serac, brigade des stupéfiants. Vous êtes le propriétaire du bateau ? Non, c'est moi. Je vous demande l'autorisation de monter à bord. Attendez, pourquoi ? Eh bien, le chien semble avoir repéré quelque chose et... Ben, allez-y, montez. Je suis sûr qu'il y a rien. Allô ? Ah non, Jimmy n'est pas là. Oui, c'est Bénédicte. D'accord. Je vous demande de vous rappeler, Monsieur Fourcade. Oui, oui, à la banque. D'accord. Merci, à bientôt. C'est dégueulasse ce qu'on vient de faire. Pourquoi ? Ça t'a pas plu ? Mathieu est dans la chambre d'à côté. Tu te rends compte ? T'as vu, j'ai fait attention de pas crier. T'es vraiment une salope. Et alors, tu t'es laissé faire, non ? Oui, mais je suis pas fière de ça. Oh, t'es comme tous les mecs. Triste après le plaisir. Je trouve ça d'un ridicule. Ouais. Et moi, je suis heureux que toutes les femmes ne soient pas comme toi. Il est dressé pour quoi ce chien ? Cherche de la drogue ? Non, pour manger des carottes. Mais qu'est-ce qu'il a ? D'abord, on va voir ce qu'il a. Attendez, mais je suis pas rien. Eh ben voilà. Et un, deux, et trois. Tiens, Marc, tu vérifies. C'est de la coke. De la cocaïne ? Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Mais attendez, mais moi je sais pas d'où ça vient, ça. Bah voyons. Vous avertis, il est aussi dressé pour tuer, d'accord ? Allez, embarquez-moi tous, allez. Mais c'est surréaliste, là. Allez, on se tait, on y va. Allez, va. Le marché, c'est où, s'il vous plaît ? C'est par là. Merci. Tiens, je savais que je te trouverais là. C'est toi. Ça y est, tu as fait tes courses ? Ça y est. Je vois que je te dérange en pleine contemplation. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle a une jolie silhouette, mais pas beaucoup de poitrine. Bon, mon amour, je veux pas troubler ton plaisir, mais tu vas être en retard pour aller chercher ta sœur et Mathieu à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et on y va. Oh. Désolée, je dois partir. Bonne journée. Vous inquiétez pas, elle reviendra. Hein. De toute façon, le marché est public. S'il ne l'était pas, elle l'aurait acheté. Je le connais. À très bientôt. Un de ces jours. Franck, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis dans la merde. J'ai besoin de toi.
Je commence à être inquiète. Excuse-moi, j'ai été retardée. Il y avait beaucoup de circulation. Bah oui, c'est normal, c'est le jour du marché. Ça va, Mathieu ? Ouais, ouais. Bah, c'est bien, comme ça tu te sens soulagée. Hein. Ouais. Bah, allez, moi je file. Je vais être en retard. Tout à l'heure. Je voudrais parler au capitaine Dambois, il me connaît bien. Ouais, c'est ça, moi aussi, il me connaît à l'avance. Et pourquoi vous nous traitez comme ça ? On a rien à se reprocher, merde ! Non, presque rien, juste 3 kilos de cocaïne sur votre bateau. C'est rien, ça l'avance ! Oh ! Ça va bien ? T'inquiète pas, je me sens bien. Évidemment, puisque ta chérie est là. Au fait, faut s'occuper des papiers, non ? Non, non, t'en fais pas, tout est réglé. Il nous envoie les factures. C'est elle qui s'est occupée de tout. Eh, mais parfaite. Au fait, j'ai croisé le type du watersport, Jimmy. Il voulait prendre de tes nouvelles. C'est gentil. Tu lui as dit que j'allais bien ? Oui, je l'ai rassuré. Il voulait venir te voir, mais je lui ai dit que c'était pas la peine. Autant effacer les mauvais souvenirs. T'as raison. Bon, allez, la voiture est juste devant. Jeanne, c'était mon dernier coup. Le moyen de me retirer en étant autre chose qu'un minable. Mais on dit toujours ça, c'est comme ça qu'on se retrouve en tôle. Mais c'était sans risque, je devais prendre l'avion ce soir. Je comprends pas comment ils ont fait pour m'en trouver. On sait jamais comment ils font pour m'en trouver. Et toi, qui t'a dit que j'étais là ? Ton frère. Je l'ai eu juste avant de partir. J'aurais dû me douter qu'il saurait pas tenir sa langue. T'as un moyen de me faire quitter l'île ? Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Tu vas pas me laisser tomber, Jeanne ? Tu me dois bien ça un an, ne serait-ce qu'en souvenir du bon vieux temps. Je te dois rien du tout, Franck. Par contre, j'ai jamais laissé ton manager. Bon, écoute, on n'a rien à voir là-dedans. Je te donne la parole. Bien sûr. Bon, tout le monde me connaît ici. Appelez le capitaine Dambois, il vous le dira. Il doit pas être très loin, non ? Bah voyons, tu te crois où ? Surprise, surprise ! T'habites ici ? Ouais. Seul ? Non, avec quelqu'un. Ah, t'as fini par oublier Claire ? Changer de vie, Franck. Bon, tu t'installes comme tu veux, il y a à manger dans le placard, moi je repars. Hé, hey, tu vas où ? Te trouver un bateau. Je t'accompagne jusqu'à Anguilla, ce sera plus facile pour toi pour passer en Amérique du Sud. Jeanne ! Merci. Jeunesse qui t'a livré la cam. Alors tu vas me dire gentiment où il est, d'accord ? Bon, écoutez, je comprends rien. Moi, j'arrive d'Australie. Puis je ferme jamais mon bateau, alors n'importe qui a pu monter à bord pour déposer les paquets. Bien sûr. Et partir en te laissant comme cadeau 3 kilos de cocaïne. Tu me prends pour quoi, là ? Pour rien, je sais pas. Moi, je comprends pas. Je vous assure, je comprends rien. Alors je vais t'expliquer, ma poulette, moi. Franck Jeunesse, ça fait une semaine qu'on le piste, d'accord ? Ce matin, on a même failli l'avoir, là, juste à côté du port. Et comme par hasard, on retrouve la cam qui transportait sur ton bateau. Si vous le poursuiviez, il a très bien pu monter sur mon bateau et...
Et voilà, il est jamais fermé, je viens de vous le dire. Putain de bordel, mais il est où ce Franck là? Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Je le connais pas. Oh, excuse-moi, je me suis énervé là. On se calme, on reprend, d'accord? Je sais très bien que t'es qu'une intermédiaire dans cette affaire. Mais si tu me dis où on peut le trouver, je te promets que ça peut s'arranger pour toi. Quand il t'a donné rendez-vous? Il m'a pas donné rendez-vous, je le connais pas, ce Franck, je le connais pas. C'était quoi son plan pour récupérer la cam? Ça, tu dois le savoir quand même, non? Allez! Je sais pas d'où vient cette drogue, j'en sais rien. Très bien. T'as le droit de rien dire, tu sais. Bon, on va attendre. On va aller tout mon temps, alors. On va attendre, ma chérie, on va attendre. Hey Chris, tu viens me rendre service? Ouais, bien sûr. Surveille le water sport, je vais régler un problème et je reviens, d'accord? Ok man, pas de problème. Merci, à tout à l'heure. Yes. Eve, je t'aime. Je sais pas comment tu fais, Mathieu. Pourquoi tu dis ça? Je suis qu'une petite fille gâtée. Je me conduis n'importe comment. C'est de ma faute aussi. J'aurais pas dû te laisser aller aussi loin. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Me battre. T'aimer encore plus fort. Pour te faire comprendre que t'avais tort de te conduire comme ça. Tu sais, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de savoir que tu te donnais à des hommes qui te méritaient pas. T'as raison. Faut que tu m'aides, Mathieu. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je veux devenir une fille bien. J'ai besoin de toi. Je serai toujours là. Désolé, ça a coupé. Tu te crois où? Ah, ça c'est la réponse d'Interpol. C'est parfait, parfait tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 ans, tu as été soupçonné de complicité de trafic de drogue en Australie. Toi et un certain William Blake. C'est pour lui que tu bosses. Bon alors écoutez-moi maintenant. Le docteur Blake est mort. Et puis de toute façon, ça n'a rien à voir. Les trafiquants ont été arrêtés, il y a eu un non-lieu. On n'avait rien fait, ça a été prouvé. Ah ouais. Mais vous êtes malade! Je vous préviens, si vous lui faites du mal, je vous tue! Menace de mort en plus? Parfait. Dans 1 minute, je suis à vous. Ouais, ouais. Ginny? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. T'entends bien, moi aussi.
sais que je t'aime. Ouais. Benny, il faut que... Il faut que je te dise quelque chose. Non, moi aussi. Et je suis sûre que ma nouvelle est beaucoup plus importante que la tienne. Je suis allée à la pharmacie tout à l'heure et... Pourquoi? T'es malade? Mais non. Donne ta main. Il doit faire 2 mm, mais tu peux déjà lui dire bonjour. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être papa. Bah alors, c'est tout ce que tu te trouves à dire? Non. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. C'est vrai, t'es content? J'ai jamais entendu une aussi bonne nouvelle de ma vie. Tu crois que ça va être un garçon ou une fille? Moi, j'ai pas de préférence. Je suis heureux, je t'aime. En fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, toi? Moi, je sais pas, je sais plus où. C'était pas une mauvaise nouvelle, au moins? Après ce que tu viens de me dire, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Lenny. Quoi? Est-ce que tu veux bien devenir ma femme? Ma femme? Tu veux m'épouser? C'est peut-être le truc le plus bête au monde, mais j'ai envie de pleurer. Salut! Salut, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'ai un truc à faire là, il faut que j'aille en Anguilla chercher un client. Ah. T'as pas vu Nicolas par hasard? Non. Ça va, c'est pas l'air de lait? Si, si, ça va, c'est le client qui est coincé en guillemets, il faut que j'aille, j'ai peur d'être en retard, quoi. Hop. On traverse. Merci. Si tu vois Nicolas, tu lui dis de m'appeler. Ok. Ciao. Ouais, vas-y. Marc, tu viens? On va laisser les tourtereaux, hein. Ah, au fait, les fenêtres sont bloquées. Ça va? Il t'a frappé? Une gifle, je vais m'en remettre. Je suis sûr qu'il fera payer. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils cherchent un certain Franck... Je sais plus comment, il pense que je suis complice avec lui. Complice de quoi? C'est n'importe quoi. N'importe qui peut monter sur ton bateau. Mais oui, mais ils ont reçu un email d'Interpol il y a 2 ans, en fait, en Australie. Ils lui racontent la même histoire qu'à nous. Ça veut rien dire. Ils peuvent très bien être de mèche tous les deux. Ou alors, elle lui ment, elle lui aussi. Dis donc, t'as parlé aux flics locaux, là? Ouais, dans bois, il me jure que le mec est net. Ouais, tu parles comme tous les coupables. Ils ont mis la souricière autour du bateau, moi. Pas encore, ils s'en occupent. Je te jure, ces îles, je commence vraiment à avoir ma claque, moi. Je savais que je pouvais compter sur toi. T'as toujours été la championne du monde pour arranger les coups. Je te préviens, c'est le dernier. Oui, je sais, tu m'as dit. Elle est belle, cette île, hein? Mais on doit se faire chier au bout d'un moment. Non? Moi, non. Tu vas pas me faire croire que tu vis d'amour et d'eau fraîche. Pas toi. Pas après ce qu'on a fait. Je me souviens de rien. Menteuse. Franck, je veux plus entendre un mot sur cette époque, c'est clair? T'énerve pas. J'ai changé de vie, tu comprends, toi? Je te dépose en Guilla et tu sors de ma vie définitivement. Ok. Toi, tu t'en vas.
Elle reste, elle. Faut rigoler. Ok, je peux vous garder tous les deux si tu préfères. Bon, t'inquiète pas, je te sortirai de là, d'accord? Allez. Dehors, dehors, j'ai dit! Capitaine, lui là, il a frappé Hélène, je porte plainte. C'est ça, tu vas porter plainte. Capitaine, vous ne devez pas patrouiller aux alentours des îles pour retrouver notre homme, non? Oui, oui, la vedette n'était pas prête, j'y vais. Alors allez-y. Désolé. Tu m'en fais une belle de vedette, toi, tiens. Putain, ces îles, parole. Vous avez tout pouvoir, alors. C'est bien. Regarde des stupes, mon vieux. Toi, tu devrais choisir un peu mieux tes fréquentations, t'as compris? T'as pas vu que c'est une trafiquante, cette fille, non? Ah oui? Ouf, il y a mieux de retrouver le type qui a planqué la drogue sur le bateau, je crois, non? Son complice. Mais on le recherche, t'inquiète pas, puis on va le retrouver. Tiens ton portable, reprends ça. Et casse-toi! Eh ben, y a plus qu'à suivre à la trace grâce au portable. Je suis prêt, bien, ça vous écoute. Absolument. Non, oh. Attends, reste encore un peu. Mais t'es fou. Si un client arrive, on fait quoi? Bah, je lui dirai que je vais être papa. Et il comprendra très bien. Ah oui. Heureusement qu'on a pris cet appartement. Ouais, hein? Heureusement, oui. On va être heureux. Ouais. Très heureux. Tu sais, j'avais peur de ta réaction. Mais pourquoi? T'es folle ou quoi? Mais non, mais c'est vrai, ce bébé, on l'avait pas prévu et je voulais pas que t'aies l'impression que je te force la main. Mais arrête de dire de bêtises! Tu te rends compte qu'il aura que 6 mois de différence avec le bébé de Lali? C'est génial, non? Mmh. C'est quoi? Non. Je t'aime. Vas-y, réponds. Ouais, allô? Oui, Nico. Oui. Quoi? C'est pas vrai. T'as faim? Non, ça va. On est loin d'Anguilla, là? 2 heures, si tout va bien. Tu sais, c'était mon dernier coup. C'était quoi? Des faux dollars. Beaucoup? 2 millions. Suffisamment pour que je m'ouvre un petit garage et que je vive tranquille jusqu'à la fin de ma vie. J'espère que tu me dis la vérité. Mais oui, yeux bleus. Bah, je te mentirai, après tout ce qui s'est passé entre nous. T'as le pilotage automatique là-dessus? Ouais, pourquoi? On pourrait aller faire une petite sieste. Je te conseille, tu te calmes. Dommage. Tu disais pas souvent non avant. Recommence jamais ça. Sinon? Sinon, je te casse la gueule, c'est clair? Ah bah voilà, je te retrouve enfin, ma petite Jeanne. Bon, allez, dégage. Les flics du stup vont la mettre en détention provisoire en attendant le jugement. Mais c'est pas possible, pas Hélène. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, j'en sais rien. Oh, Nicolas. Alors? L'avocat peut rien faire. Mais enfin, t'as parlé au capitaine d'Ambois? Il est complètement déplacé. Notre seule chance, c'est de retrouver le coupable. Mais on a une idée de qui ça peut être? Un certain Franck, il paraît. Venez avec moi sur le bateau, on va essayer de trouver quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon mec, tu permets? Il doit s'inquiéter.
Mais c'est mignon tout plein, ça. Petite femme au foyer, c'est ça. Ta gueule. Allez, dégage dans la cabine. Je te dérange, là. Hein? Ok, ok, ok. Je m'en vais. Je te laisse roucouler tranquille. Je sais ce que c'est. Je me rappelle quand tu m'appelais. Allô, Jeanne, appelle Nicolas. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Alors, il est allé chez un avocat. Là. Bah là, il est retourné à son bureau. Parfait, hein. Non, c'est pratique, hein, les portables. On peut rester au frais comme ça, non? Un type, on a hâte de fouiller tous les bateaux. Vous voulez monter? Non, avec toi, c'est pas la peine. Tu vas où? À Anguilla, chercher un client. Bonne traversée, merci. Merci, bon courage. Tu mens toujours aussi bien, ma chérie? Et toi, t'as toujours autant besoin de boire quand t'as peur? Eh ouais, on change pas. Il fallait s'en douter qu'on trouverait rien. Et évidemment, avec un flic en faction, c'est super pratique. Allô, Jeanne, appelle Nicolas. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Bon, je vais essayer d'appeler le préfet. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Allô, Nicolas? Oui, Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Joanne, t'as pas dit, je vais à Anguilla chercher un client. Et si elle m'a dit, mais tu l'as pêché où, celui-là? Ben, il a plus au bureau, t'étais pas là. Alors, je t'appelais juste pour pas que tu t'inquiètes. Tout va bien, et toi? Nous, tout va mal. Ils ont trouvé de la drogue sur le bateau d'Hélène. Adol s'est fait arrêter par la police, il l'accuse de trafic. On est en train de rechercher le type qui est susceptible d'avoir planqué la cam sur son bateau. Un certain Franck, on n'en sait pas plus. Jeanne, tu m'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Bah non, je crois pas. Enfin, je sais pas. On a plus qu'à rechercher ce type, c'est tout. Histoire de sortir Hélène de prison, quoi. Ok, bon courage. On se tient au courant. Je suis innocente, vous m'entendez? Vous avez pas le droit de me garder comme ça. 48 heures de garde à vue avant de te mettre en examen, qu'est-ce que tu veux? C'est la loi, hein? J'ai le droit d'appeler mon avocat. Comme dans les films. Écoute-moi, je vais te faire une proposition. Si tu me dis où on peut trouver Franck Geneste, t'auras les circonstances atténuantes. Mais je le connais pas, votre Franck, je le connais pas. Tant pis pour toi. 15 ans au trou, tu sais, c'est long, très long. Allez, réveille-toi. Hé, hey, debout! Hé, hey, doucement! Qu'est-ce qu'il y a? On est arrivé? Tu m'as parlé de dollars, pas de drogue. Hein? De quoi tu parles? Ce que t'as planqué sur le bateau, quand t'avais les flics au cul, c'est de la drogue, c'est ça? Qui t'a dit ça? Je le sais, c'est tout. T'es vraiment un enfoiré. Hein? Attends, c'était pas n'importe quoi, un super coup, 3 kilos de coke pure, Jeanne. C'était la fortune. J'ai jamais donné dans la drogue, et à l'époque, toi non plus. Eh ben, les temps changent, d'accord? Tu connais la chanson, non? De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Une amie à moi s'est fait arrêter à ta place. C'est sur son bateau que t'as planqué la canne. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'elle va se retrouver en tôle. Et alors, elle est innocente? Ils vont la garder un peu et puis après, ils la laisseront partir. Ils peuvent très bien la garder plusieurs mois et tu le sais! Mais de quoi tu parles? Moi, avec mon casier, c'est 15 ans qu'ils vont me garder, d'accord? Ok. Alors?
je n'ai entendu parler de rien. Absolument rien, et toi? Rien non plus. Tu sais, Nick, on a une chance sur un million de trouver ce type. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse Hélène en prison? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue, allez, montre. Je me souviendrai de ce que t'as fait pour moi, yeux bleus. Je te jure, j'oublierai jamais. Je le dirai à ton frère et à toute la bande. On arrive dans combien de temps? Une demi-heure. Tu feras mieux de te planquer à l'intérieur, il faut que j'appelle mes amis. Ok, patronne. Jeanne, appelle Nicolas. Nicolas, ici Jeanne, est-ce que tu m'entends? Il est pas là, Jeanne. Il est parti avec Jimmy pour faire le tour des barlouches pour essayer d'avoir des infos sur le coupable. Mais ça sert à rien, il a certainement quitté l'île déjà. On peut pas laisser Hélène tomber, mais elle risque 15 ans, tu te rends compte? 15 ans? Ouais, je me rends compte. Bon, je vous rappelle. On est encore loin? Reste au fond, je t'ai dit. Ok, ok. Alors, toujours rien. Jeanne, des problèmes? Vous devriez monter à bord, j'ai un client pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Je suis désolée, Franck. Je te l'ai dit, j'ai changé de vie. Hey, je propose qu'on lève nos verres, l'amitié. À Jeanne et à Len, qui finiront pas leur jour en prison. Merci Jeanne, tu m'as sauvé la vie. Mais tu me l'as sauvé aussi. Je te laisse annoncer la bonne nouvelle. Mais non, c'est trop tôt. Pourquoi? Tu sais, Jimmy, un bébé, il faut lui laisser le temps de s'accrocher. Dans 2 mois, on pourra le crier sur les toits, mais pas avant. Je pourrais jamais tenir, moi. Arrête. Je serais trop malheureuse s'il arrive. Chut. Ne parle pas de malheur.